Bonsoir à tous, hein. Merci de votre présence ce soir. Je vais intervenir après ce jingle un petit peu anxiogène, mais je pense qu'on va se détendre un petit peu. Je suis Jean-Christophe Picard, je suis le président national d'Anticor depuis le 11 avril 2015. Anticor est une association qui a été créée le lendemain du fameux 21 avril 2002, rappelez-vous, hein, au second tour, présence de Jean-Marie Le Pen. Coup de tonnerre, avertissement des citoyens. Nous avons décidé, nous, de réfléchir aux solutions, et notre solution, elle est toujours d'actualité. Nous pensons que seule l'éthique politique pourra réhabiliter la politique, seule l'éthique politique pourra redonner le goût aux gens d'aller voter pour des partis républicains. 13 ans après, nous n'avons toujours pas changé d'avis. Je pense que les résultats électoraux nous donnent raison. Toutes les autres solutions, comme par exemple stigmatiser tel ou tel parti, n'aboutissent à rien. Et nous pensons encore toujours aujourd'hui qu'il faut changer les pratiques politiques. Anticor agit donc sur deux fronts. Un front assez médiatique, peut-être que vous connaissez Anticor par ce biais, c'est le dépôt de plainte. C'est Anticor qui a fait condamner notamment Jacques Chirac, une première sous la Ve République, un président de la République condamné, avec sursis mais condamné. Anticor également, plus récemment, a déposé des plaintes dans l'affaire de l'INA contre Agnès Sall et contre Mathieu Gallet. On a déposé des plaintes dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée et dans l'affaire des marchés publics de communication de Matignon et des ministères. Donc on a une actualité assez chargée. Hélas, hein, on aimerait bien moins travailler et moins déposer de plaintes. Ça nous amuse pas du tout. Mais on le fait parce que la plupart du temps, les autorités compétentes ne bougent pas. Par exemple, dans l'affaire Sall, on a attendu un mois que les autorités hiérarchiques se saisissent de son cas et déposent plainte. Comme personne ne le faisait, on l'a fait. Puis, 3 jours après, tout s'est débloqué et aujourd'hui, une enquête est ouverte. Voilà. Donc ça, c'est le volet un peu spectaculaire, mais c'est pas forcément ce qu'on préfère faire. On essaye d'encourager, de proposer des pratiques vertueuses. Notamment, on remet chaque année un prix éthique pour récompenser des actions intéressantes qui nous semblent nécessaires de généraliser. Bon, on remet aussi des casseroles d'or. Hein. Bon, ça, c'est moins drôle pour celui qui la reçoit. Et puis, on a beaucoup trop de candidats. On passe beaucoup trop de temps à trier les candidats. Pour les prix éthiques, ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc, on remet ce prix chaque année. Et puis, à chaque élection, depuis 2007, nous proposons des chartes éthiques aux candidats. On a été les premiers à proposer ce type de document. Alors aujourd'hui, les journalistes nous disent que c'est une mode, mais ça n'existait pas du tout. Hein. C'est un petit peu grâce à nous que c'est devenu un peu dans les mœurs. Aujourd'hui, les candidats se sentent obligés de parler de la manière dont ils envisagent d'exercer leur mandat. Et donc, on est très content qu'il y ait ce débat, cette réflexion. Et donc, depuis 2007, à chaque élection, on propose donc une charte éthique. Alors, aux dernières élections municipales, nous avons eu 580 signataires. Et 40 signataires sont devenus maires. Et dans notre département, dans votre département, nous avons trois maires qui ont été élus. Et donc on a beaucoup de plaisir ce soir à les recevoir pour faire un retour d'expérience. Puisqu'Anticor ne se contente pas de faire signer des chartes, parce que ça, à la limite, ça serait facile. La plus-value d'Anticor par rapport aux autres initiatives de ce type, puisqu'on a des candidats qui spontanément proposent leur propre charte éthique, ce qui est déjà très bien, on ne critique pas, c'est déjà un grand pas en avant. Mais Anticor, lui, assure un service après-vote. C'est-à-dire on assure le suivi du respect de la charte, on demande des explications quand elle n'est pas respectée, on peut aussi prodiguer des conseils, et également, on attend également un retour d'expérience pour aussi nous apprendre et nous améliorer et peaufiner nos chartes. Nous préparons d'ailleurs une charte pour les élections régionales, donc on attend impatiemment le retour d'expérience des élections municipales pour être le plus pertinent possible. On remarque que nos idées avancent, hein, on n'est pas des hurluberlus qui sont considérés comme des utopistes, puisque nous avons été auditionnés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et nous avons remis nos propositions, et on a eu beaucoup de plaisir de retrouver dans ce rapport très intéressant, très très intéressant, parce qu'il ne faut pas non plus voir que les choses qui ne vont pas, il y a aussi des réflexions et des propositions qui vraiment vont dans le bon sens, et dans ces 40 propositions, donc il y a des propositions autour de la nécessité d'instaurer partout des chartes éthiques, des chartes déontologiques, de généraliser les formations déontologiques avec
charte, la création d'interlocuteurs déontologiques, parce que bon, une fois qu'il y a les chartes, après il faut les faire respecter, hein, vous avez bien compris l'enjeu. On le voit avec l'actualité, avec la charte déontologique des membres du gouvernement, qui a été signée par tous les membres du gouvernement. On voit dans l'affaire du déplacement de Manuel Valls la limite de cette charte, qui est très intéressante, mais il n'y a pas de sanctions prévues. C'est ça le problème. Donc, une charte sans sanction, sans commission chargée de surveiller son respect, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc on voit bien, dans la réflexion de la haute autorité, à chaque fois, les trois volets, la charte, la formation et un organe qui va veiller au respect et aux sanctions. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dans la tête des responsables. Et il y a un projet de loi qui s'appelle le projet de loi Le Branchu, qui vise également à développer la déontologie envers les fonctionnaires. Donc vous voyez que les choses avancent et on en est très content. Donc sans plus tarder, je vais vous annoncer les trois parties de cette soirée. D'une part, le témoignage des maires signataires, et on les remercie de leur présence. Je les présenterai tout à l'heure un par un. Deuxième partie, un cas d'école Ryanair. Et enfin, les voix d'une citoyenneté exemplaire. Donc vous voyez qu'on a plein de choses intéressantes à se dire ce soir.